personnage qui va apparaître juste derrière moi. Elle est derrière moi, hein. C'est ça. Nommé aussi également Maman Longue Jambe, c'est bien entendu le nouveau personnage de Bobby Vietam chapitre 2. Mais tout le monde la connaît bien sûr sous le nom de Mommy Long Leg. Aujourd'hui les amis, on est là pour découvrir les origines de cette fameuse araignée rose. Allez c'est parti les amis, on est là pour découvrir l'histoire de Mommy Long Leg. J'avais tellement hâte de voir cette vidéo, attention. Oh, bonjour toi. Tu ne pensais pas que je te laisserais seul? Hein, tu crois? Ah, c'est moi, c'est le joueur. Ne me touche pas, reste en arrière, madame. Maman est là pour vous, pour vous raconter une histoire pour t'endormir. Ma vraie maman, je sais bien que je suis trop bien pour ça. Elle est tellement grande. Non, ne pleure pas. Tu es en sécurité maintenant. Détends-toi. Me détendre? J'ai pas tellement envie de me détendre. Ok Molly. Ok Molly, t'es prête pour ton school? Premier jour de lycée? No way. I got so tall over the break. They're all gonna think I'm a weirdo. Ok, donc elle a l'air très inquiète. J'imagine que c'est Mommy Long Leg, hein, vu la taille de la fille. Poppy a good luck squeeze if you get scared. Oui, bah si tu as peur, tu as ta poppy. Ta petite poupée. Oh, maman, arrête! Ah, c'est sa mère! Je suis trop vieille pour les poupées maintenant! Ah, je veux juste m'assurer que tu as de la compagnie pour ton premier jour d'école. Accroche-toi à elle, d'accord? Ok, pour moi. Ok, d'accord. Reste toi-même! Je t'aime! Mais attends, mais c'est une école de. En partenariat avec l'usine de Playtime? Ok. Excusez-moi! Oh non. Oh my god. Oh mon dieu. Les gars, regardez. Je vous avais dit que Bigfoot était une femme. Alors Bigfoot qui est bien sûr un énorme gorille. Il allait dans notre lycée, quelle heure? C'est juste une poussée croissance. Aucun joueur de football n'a de croissance. Tout droit de but. Attends, quoi? Il se moque de sa taille. Oh regarde, toujours en train de jouer avec des poupées. Alors ils ont traduit poupée par chariot. Voyons voir si sa tête se détache. Non. Poppy. Oh regarde, ses jambes sont trop longues pour son corps. Mommy Long Jambe. Mommy Long Legs. Oh, elle s'appelait Molly. Later, freak. Non. À plus tard, monstre. Ok, l'entraîneur. Bonjour. Tes jambes sont très longues pour une lycéenne, mais pas pour un volleyeur. Je ne peux pas faire de sport. Beaucoup de gens pensent que jusqu'à lycéenne peut venir au gymnase aujourd'hui après l'école, d'accord? D'accord, ça voulait rien dire, mais en gros, oui, elle pourra venir au gymnase après l'école. Alors, on va voir un petit peu. Oh, lui, les jambes! C'est quoi ces jambes à l'entraîneur aussi, là? Ça fait vraiment la même taille que son corps. Mais c'est vrai que Molly est très grande. Molly, hein, future momie, forcément, elle va grandir. Elle sera plus être maman, tu vois, autre chose. Ok. D'ailleurs, elle a un chiffre 8. Comme bipède, comme les araignées. Don't worry about that. Je vais être tellement mauvaise. Ne t'inquiète pas pour ça. Donne tout ce que tu as. Ok, c'est parti. Allez, Molly! Défonce tout! Wow! Awesome! Génial! Tu es naturel! Donc, je suis dans l'équipe, je suis recruté. Tu l'es. Oh, félicitations. Mesdames et messieurs, bienvenue au premier match de volleyball. Les Cougars sponsorisés comme toujours par les bonnes personnes à la récréation. D'accord. Ok, allez Molly, accroche-toi. Aïe, ça doit faire mal. Ok, tu peux sortir au bon touche, tu peux y aller. Quoi, attends, ouais, ne me déçois pas. Longue jambe. Ok, là, ils appellent longue leg, normal. Allez Molly, sois cool. Ne fais rien de mal. Non. 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 C'est tellement embarrassant. Ouh. On dirait qu'une autre personne est tombée. Ah, c'est les autres filles qui se moquaient d'elle, tu sais. Sympa les meufs. Molly, attends. Elle a un peu mal pris, je crois. Ok. D'accord. Ouais, donc en fait, jour après jour, les gens se moquaient. L'abus! L'abus. Molly! C'est l'heure du dîner! Va-t'en! Ok. En fait, j'avais cru que c'était l'usine. Enfin, l'école en mode playtime, parce qu'il y avait des espèces d'arc-en-ciel comme il y a dans l'usine. L'entraîneur, elle lui a fait un vent ou quoi? Attends! Elle lui a fait un vent, l'entraîneur, parce que. Ça s'est passé comme ça, en fait. Hein, on est d'accord? Le claquement de maths, ça, il a été mortel. Hein. Oui, ça doit être ça. Ok. Attention. Hey, nice doll. Oh!
I know. Eh, belle poupée. Stupid. Je sais, c'est stupide. Laissez-moi tranquille. Bobby Playtime stupid, c'est la récréation so de Poppy. Name's Xavier. Mais attends, mais lui... Mais c'est... C'est le scientifique qui a bossé sur Udibuti. Ok, est-ce que ça tirait d'être ingénieur à Playtime Co. l'usine? Quoi, concevoir des jouets, c'est un travail? Bien sûr, mais les conçois pas encore. J'ai à peine 18 ans. Oh! Ils sont encore jeunes. Vous pouvez m'embaucher? Mais bien sûr. Dès que t'as obtenu ton diplôme, nous pourrons lancer la chaîne de montage. Hey Molly, viens vérifier ça. Ouh, elle a le choix entre le sport et l'usine. Et bien sûr, elle choisit le jouet. Et c'est parti pour la création des Poppy! Oh non, I ruined it! Oh non, je l'ai ruiné! That's way better than my first try. C'est bien mieux que mon premier essai. You'll master it in no time. Tu maîtriseras en un rien de temps, tu verras. You really think so? Tu penses vraiment alors que... Bien sûr! You've got the one thing we c'est la seule can't chose teach, que Molly. Nous ne pouvons pas enseigner à Molly. You wanna see kids happy. Oui, la seule chose que tu peux pas enseigner à Molly. Tu veux voir les enfants heureux? Est-ce que tu veux vraiment les voir heureux, Molly? Alors tu vas devoir créer plus de jouets. Oh. Is it... Good? Est-ce que c'est bien good. Mieux? T'es bien mieux, tu peux. D'ailleurs, c'est le, je vous rappelle, c'est le scientifique horrible. Hein, c'est le pire, lui. Hein, c'est vraiment c'est celui qui a piégé la personne qui était Kissimissi et aussi également Udi Woody. Donc, je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, pour Molly, ça sent pas bon. Ok. Oh, tu pleures? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, rien, ça va. Je suis juste. J'ai jamais été doué pour quelque chose, alors. Well, get used to it. Eh ben, va falloir t'y habituer. Oh, c'est les fameux autres jouets qu'on a vus dans l'usine. Les dinosaures. S'il est... L'employé du mois, carrément. Ok. Tire les arbres violets. Hey, where are you going? Eh, où est-ce que it's tu vas comme ça? C'est pas tous les jours qui sélectionnent deux employés du We même mois. Nous really? Devons célébrer ça. Vraiment? My girlfriend knows this awesome sushi place. Ma petite amie connaît cet endroit Your génial pour les sushis. Attends. T'as une petite amie? Ouais. Get along great. Tu t'entendras bien avec. Tu allais à la même école. Hey, Abe, what's taking so long? Qu'est-ce qui prend autant de temps? Cheryl? Oh! Non. C'est pas non, la personne non, qui non. se moquait d'elle? Oh, God, à l'école? Ah non, ça peut pas arriver, ça peut pas être possible! Elle va tomber dans les tubes! Fais attention, tu es sur le point de... Non! Ah! Qu'est-ce qui m'arrive? Elle a les yeux qui deviennent verts. Ah non, je suis un monstre. Non, tu as commencé. Tu ne peux pas t'enfuir. Molly, juste calme-toi. Laisse ma petite amie partir, d'accord? Nous pouvons t'aider. Je pense que ça ne vaut pas la peine de m'aider. Oh! J'arrive! Patron, nous avons un jouet code rouge! Hors de confinement! Shoot to kill. Oh la vache! Oh oh! Please. Fermeture! S'il vous plaît! Je suis désolé pour tout! Je me suis moqué de toi, mais s'il te plaît, laisse-moi! Ouais, c'est ça, c'est une vieille fille qui se moquait d'elle! Oh! Qui a des longues jambes maintenant, Cheryl? La psychopathe! Molly! Arrête tout de suite! Quand il est... Si je suis jetable, n'hésite pas. Mais qu'est-ce que tu attends pour le tirer dessus? I'm sorry. Je suis désolé. Ah! Elle a pas aimé. Oh, c'est violent. C'est... Fermez la porte. Oh... Ah, c'est tellement glauque. Ok. Oh, c'était tellement glauque. Bah voilà les amis, on connaît la véritable histoire, les origines de Mommy Longleg. Oh là là, c'est tellement chaud. Tu m'étonnes qu'elle a l'air un petit peu tarée, tu vois, quand tu la vois comme ça dans le trailer, parce que bon, tout le monde se moquait d'elle quand elle était en cours, parce qu'elle était super grande, tu vois, elle avait une taille qui était vraiment hors norme au niveau de la moyenne. Mais en plus de ça, enfin, laisse tomber quoi, la fille dans la cuve, et en plus on le tire dessus. Tu vois, bah ça va être sympa à mon avis, la rencontre avec elle dans le chapitre 2, voilà, hein, comme on peut le voir, voilà. Et bah voilà, les amis, on connaît les origines de Mommy Longleg qui s'appelait d'ailleurs Molly, voilà, donc qui a été renommée Mommy, hein, parce que Mommy ça veut dire maman, mums, tu vois, voilà. Mais tu vois, en même temps, voilà, c'est pour ça que j'ai cru que... Regardez, l'école est à côté de l'usine.
Voilà, t'as l'impression qu'ils étaient là pour, hein, je pense, hein, clairement, pour étudier, pour après partir directement travailler en tant qu'ingénieur ou autre, hein, bien sûr, dans l'usine. Et ben voilà, ben écoutez les amis, j'espère en tout cas que ces origines, cette nouvelle histoire, encore une fois plus sur le thème de Poppy Playtime, vous a extrêmement plu. C'est comme le les amis, ça a été un maximum de likes, ça fait toujours plaisir, ne pas bien entendu, de vous abonner à la chaîne et me dire ce que vous avez pensé justement de cette histoire dans la description. En tout cas, merci à tous les amis, Flo Jumper et aussi également Molly Longleg. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis.